Les bibliothèques de l'UDM possèdent un abonnement à SciFinder, une ressource essentielle en chimie, biochimie et pharmacologie. Les usagers de la communauté UDM doivent d'abord s'inscrire sur le site web du fournisseur avant de pouvoir commencer à faire une première recherche. Nous allons faire cette démarche ensemble. L'information sur SciFinder se trouve dans le guide en chimie. Pour atteindre ce guide, rendez-vous sur le site web des bibliothèques, sur le portail Informatique, mathématiques, sciences de la nature. Cliquez sur « Enregistrement des nouveaux utilisateurs ». Cliquez ensuite sur « Next » pour lire et compléter la licence d'utilisation. L'écran suivant est un formulaire à remplir. C'est ici que l'adresse de courriel de l'UDM, c'est-à-dire votre nom, @umontréal.ca, est requise. Autrement, votre inscription ne sera pas valide. Vous devez ensuite vous trouver un nom d'utilisateur et un mot de passe personnel. Cliquez enfin sur « Register ». La première étape est terminée. Il suffit maintenant d'attendre le courriel de confirmation de Chemical Abstract Service ou CAS pour compléter le processus d'enregistrement. Si ce message tarde à entrer, consultez votre dossier des pourriels ou spam. C'est désormais ce compte que vous devez utiliser pour vous connecter à SciFinder. Notez que contrairement à la plupart des ressources des bibliothèques, le code d'accès UDM et l'unique mot de passe ne sont pas nécessaires ici. Pour de l'information complémentaire, n'hésitez pas à contacter les bibliothécaires de la Bibliothèque des sciences.